Allez, salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvel Spider-Man. Dans le dernier épisode, Yuri nous avait demandé d'aller sur les chantiers de Fisk car leur activité de voyou continuait malgré le fait que Fisk était en prison. On s'y rend tout de suite et à mon avis, on va rencontrer des vilains. Alors là, ça... J'en mettrai mon doigt à couper. Plus instable qu'un poivreau dans une auto-tamponneuse. Pas de bol pour les dollars des contribuables. Ils ont tout balancé par la fenêtre. Bienvenue dans le monde réel, les enfants. C'est notre... Yuri, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici. Mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Ah bah c'est gentil ça, monsieur Octavius. Alors... Grâce au plan d'auto, vous pouvez désormais fabriquer la toile de choc. Maintenez croix pour fabriquer la toile de choc. Parfait. Gagner des jetons en terminant la mission. D'accord. Ça pourrait bien marcher. Alors à quoi ça consiste? Appuie sur L1, on choisit la toile de choc. D'accord. J'aurais dû prendre mes lunettes. Parfait. Ah ouais, d'accord. Le doc serait fier. ça les scotche au mur directement. Alors, voyons voir. On va essayer de la faire un peu à la Batman. C'est-à-dire... qu'on va... Possible. Lenny dit qu'il existe plusieurs Spider-Man. Parle pas de malheur. On aurait la faim avec une armée de Spider-Man. Ok, est-ce que ça a marché? Ah oui, ça a marché. Ici, je vais vous donner la règle numéro 1. Vous avez pas intérêt à être en retard pour une livraison. Jamais. Il est toujours là. Il se pose des questions, celui-là. Allez, c'est parti. Ils ont pas compris ce qu'il leur... Oh là là, j'ai pris cher d'entrée. Ok, on esquive. Oh, bien joué. Oh là là. Je l'ai emplâtré dans le compteur électrique, il a rien compris. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Oh là là! On va esquiver. Ah, ça a pas marché! Ah putain, d'accord, on peut faire tomber des objets. En voilà d'autres. Oh là là, on va recharger la santé. On va esquiver. On a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Oh putain, alors eux, comment on fait déjà? Oui, d'accord. Les gens qui ont des armes de mêlée, faut les projeter, si je me souviens bien. Oh, bien joué, Spidey, bien joué. Ok, bien joué. Ok, j'ai bien esquivé le truc là. Ok, vague 4. Votre nouvelle tenue dispose d'un pouvoir de tenue. Le pouvoir de tenue vous confère des aptitudes spéciales.
Votre pouvoir de tenue actuel génère de la concentration en continu. Une fois celle-ci utilisée, ok, votre pouvoir de tenue se régénère. D'accord, c'est L3, R3 pour le pouvoir de tenue. Ok, il me force à l'utiliser. S'ils ont interpellé leurs copains. D'accord, on va tous les fracasser avec la technique spéciale. Allez, va chercher. Pas mal du tout. Super. Ok, un vaccin, sérieux. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si... Oh là là. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Ça devrait se casser. Oh con. La projection... Oh putain, on va se mettre un peu de santé. Oh con. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oh là là, il y en a beaucoup. Ok, 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 ok. On va recharger un peu la santé. Ok, ça c'est fait. Lui, on va le balancer. Oh là là, allez, ces esquives! Putain! Oh là là, mais j'esquive pas! Putain, j'oublie d'esquiver! Qui a envie de te rendre? Ok, on va recharger la santé grâce au pouvoir de la tenue. Oh là là. Oh là là. Putain, mais j'oublie de... Oh là là, j'ai pris cher. Putain, mais ils sont combien sans déconner? Je suis trop con. Putain, vite on esquive. Oh là là. Oh là là, on est passé à... Oh là 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 là, c'est lui avec son bazooka là, laisse tomber. Il me rend ouf. Mais putain! Oh là là, on est dans la merde. Ok, lui, on passe dessous. Oh là là. Oh, ça a été tendu, le repère de Fisk. Terminé. Oh là là. Ah, j'ai failli mourir. Oh là là. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Bien joué, monsieur Spidey. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit dessus. D'accord, donc les couronnes rouges, c'est les repères de Fisk. Ça, c'est pour gagner des jetons. Eh ben, dis donc. Et comment je sais s'il est fait ou pas? J'y suis déjà, là. Allez, déjà, je vois qu'il y a une tour ici, on va aller la faire. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire.
Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver. En appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. Alors où j'ai mis mon point? Il est là mon point, d'accord. Ok, on décrypte. Ah, j'y étais. Parfait, alors je vois qu'il y a des sacs à dos un peu partout. On va aller voir, il y a un sac à dos juste ici. On va aller le chercher parce qu'il est juste à côté. Qu'est-ce que c'est que ce sac à dos? Le badge de visiteur quand j'ai postulé chez Oscorp. Le salaire aura été sympa, mais le docteur Octavius me permet de vraiment faire avancer le monde. D'accord. C'est vrai qu'à chaque fois, ça a un lien avec l'histoire de Spidey, de toute façon. Hein. Ça peut remémorer pas mal de choses. Après, c'est des collectibles. Hein. Moi, je suis pas trop fan de ça, mais bon. Est-ce qu'on peut faire des... Ah, le mode photo. Voilà, c'est ce que je cherchais. L1, les selfies, c'est où? Voilà, mode selfie. Avec un emote. Mode sticker, c'est quoi ça? Mode sticker, masculin. Je suis en mode selfie là. Ah, je peux pas utiliser le mode selfie pour le moment. D'accord. Je comprends pas. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Où on va? On peut aller là-bas. On est à combien? On est à 12 minutes. On va au moins se rendre sur le point. Bon, on va voir s'il y a pas un peu de baston sinon. Du première classe Texidor se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain? Absolument. Ça va être génial. Y a rien. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas de cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. Ok, à demain, Peter. Il va déclencher un cataclysme. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il reste 2 minutes. On va aller chercher une autre tour pour terminer cet épisode. Et ensuite, on ira voir Otto dans le prochain. Allez, c'est à 500 mètres. Mais c'est vrai que ça se joue très bien. Hein. Le coup d'étoile là. Bravo Insomniac. Vous avez rendu le gameplay de Spider-Man vraiment grisant. Alors attendez, la tour elle est où? Elle est là-bas. Parfait. Allez, une nouvelle petite tour de contrôle. Tour de surveillance, pardon. Voilà, c'est fait. Ah, on a un point rouge juste en dessous. Ça mérite une petite baston peut-être. Ça mérite une petite baston, on va voir ça. Ça va faire ramener des points. Ils sont où les mecs? Ils sont ici. Ah ouais, c'est comme ça. Vous squattez les toits. Je vais pas vous laisser faire. Supercute. Ça vous amuse pas de vous faire un grand classique, cet supercute. Ah oui, d'accord, ils étaient en train d'embêter une bonne dame. Ça va, madame? Allez, on va aller voir ce que veut Otto Octavius dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. A plus dans le bus et à bientôt dans le métro.